Du calme, petit tonnerre. Je sais que tu n'aimes pas cet endroit. La dernière fois que nous sommes venus ici, petit tonnerre s'est fait mordre par un serpent. Nous serons plus prudents cette fois. Ouais, pourvu qu'on ne fasse pas de mauvaises rencontres. Voilà un vieil ami. Je suis contente de te revoir. Bonjour. Content de me revoir, voyez-vous ça? Salut. C'est ça, salut. Eh bien, lui aussi a l'air très content de nous revoir. Je n'ai pas le temps de vous parler. Tu as l'air contrarié. Que se passe-t-il? Une de mes chèvres a disparu. Elle ne peut pas être très loin. Elle va revenir. Non, ce n'est pas normal. C'est la chèvre la plus docile et la plus calme du troupeau. Elle ne serait jamais partie toute seule. Il a dû se passer quelque chose de grave. Veux-tu que nous allions à sa recherche? Yakari, non. Si ça vous amuse. Bon, je vous laisse. J'ai mes chèvres à surveiller. Drôle de caractère. Bon, allons-y, arc-en-ciel. Cet endroit est trop sec pour garder des empreintes. Pas moyen de repérer les traces de la chèvre. Bah.
Attention, il y a Gary! Calme-toi, petit tonnerre. Il est parti. Tu n'as plus rien à craindre. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Il faut retrouver Arc-en-ciel. La chèvre attendra. Coucou! Cet endroit est un vrai labyrinthe. Comment faire? Hey! Bonjour, coucou. Salut. Nous cherchons mon ami Arc-en-ciel. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Si, coucou. C'est vrai? Où est-elle? Elle va bien? Elle avait l'air fatiguée, coucou. Elle est partie en trottinant, coucou, par là. En trottinant? De quel côté? Coucou, par là. Elle a même brouté une brassée d'herbe, coucou. Brouté de l'herbe? Pour reprendre des forces. Ah mais attends, attends. Une chèvre? Tu as vu une chèvre? Oui, coucou. C'est bien elle que vous cherchez, non, coucou? Oui. Non, enfin, si. Oui. On cherche aussi une chèvre. Je te laisse, coucou. Coucou, ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils cherchent. Regarde là-bas. Des oiseaux de proie. Ce n'est pas bon signe quand ils tournent en rond, ceux-là. Au galop, petit tonnerre. Yaaah! Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Mes amis vont nous retrouver, j'en suis sûre. Arc-en-ciel! Yakari! Arc-en-ciel! Tu es là! Tu ne t'es pas fait mal? Oh, tu l'as retrouvé! Yakari! La chèvre va mettre bas! Mettre bas? Elle va donner naissance à un petit! Il faut rester près d'elle! Yakari, attention! Derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Je n'aurai pas le temps de retourner au campement. Oh. Attends, Lan, j'ai besoin de toi. C'est urgent. Je suis occupé. Tu vois pas que je surveille mon troupeau? Il faut faire vite. Yakari et Arc-en-ciel sont en danger. Un puma les menace. Je ne peux rien faire pour toi. Mes chèvres ont besoin de moi. Arrête! Il va les dévorer, eux et la chèvre. Quoi, la chèvre? Quelle chèvre? Tu veux dire ma chèvre? Ah, cette fois-ci, c'est trop tard! Oh. Yakari, je t'en supplie! Ah, n'approche pas, toi! Enfin, vite! Le puma! Qu'est-ce qu'on peut faire? Reste derrière moi! Fais vite, petit tonnerre! Oh.
Ça y est, l'âne. Il est parti, tu peux arrêter. Impressionnant, non? Mon braiement. Te voilà, toi. Bienvenue. Il est vraiment très mignon. Allez, tu vas y arriver. Bon, le chevreau, va falloir avancer. Je vais pas attendre des lunes et des lunes. J'ai mon troupeau à surveiller. C'est dommage que tu aies un aussi mauvais caractère, l'âne. Parce que, dans le fond, tu as bon cœur et tu nous as sauvé la vie. Et moi alors? Merci à toi aussi, petit tonnerre. Bon, allez! Pressons, pressons! J'ai pas le temps, moi! Qu'est-ce qu'elles peuvent traîner, celles-là? Vous voulez vous perdre, vous aussi? Au revoir, l'âne! À bientôt! Et vous faire dévorer par un puma? Au revoir! Allez! Allez, on rentre! Inutile d'attendre une réponse. Une prochaine fois, peut-être? Les chèvres à surveiller, les papous à aider. Il ne changera jamais, celui-là, je crois bien. Allez, on rentre, les amis. Où doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Hey! Pardon, Yekari! Hey! Mais... on est pressé! Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras, il aura fière allure. Bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul? Je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Oh! 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 Le barrage! Oh! 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 Je crois que tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là! Je vais me faire gronder! Et si on partait avant le retour des castors? Tilleul! Hein? Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Oh, mais non, il est pas. Qu'en réfléchiras-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes! Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts! Tu ne fais que des bêtises! Hein? Tilleul!
Jules, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non, j'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand. Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre? Non! Je m'en vais! Je passe la colline! Je vais dans l'autre vallée! Mais pourquoi faire? M'amuser! Faire ce que je veux sans me faire gronder! Seul? Mais c'est triste et puis dangereux! Imagine que tu rencontres un carcajou! Le carcajou? Ça m'est égal! Je suis un grand, elle ne fait pas peur! Et le froid? Et la faim? Tu n'en as pas peur non plus? Y a pas plus têtu que lui! Et bien sûr, tu vas le surveiller! Laisse-moi faire! Tilleul, arrête! Non, ne fais surtout pas ça! Suffit, tilleul. Oh oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je vais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non! Oh. Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu as la frousse. Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non! Pour moi, c'est non! Arrêtons-nous! Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin. Yakari, je suis heureux de te revoir. Luki se couche! Tu m'as fait peur! Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. Moi, je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche.
Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite, je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. D'une bonne branche. Veillez! Va-t'en, gare! Bravo, Yakari! Oh là là! Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde ce nuage, petit tonnerre. On dirait Tilleul, notre ami castor. Et l'autre là-bas, le gros touron. Il ressemble à Œil de Bouillon. Et celui-ci, tout allongé, qui bouge lentement, c'est Lorlan. Le petit là qui a l'air pressé, celui qui dépasse tous les autres. C'est Graine de Bison. Graine de Bison, je l'avais complètement oublié. Ouh là là, on devait se retrouver pour aller à la pêche. Retournons vite au campement si tu veux bien. Pour rentrer au campement, j'ai voulu que Petit Tonnerre prenne un raccourci. On va couper par là-bas, ça ira plus vite. Cette falaise est très dangereuse. Allez, s'il
te plaît, petit tonnerre. J'ai hâte de pêcher avec graines de bison. On gagne beaucoup de temps en passant par là. Merci. Tout ira bien. On est déjà passé par ici. Je me méfie de cet endroit. Après ce passage là-bas, plus que la forêt, et nous serons au campement. Petit tonnerre, non! Petit tonnerre avait raison. Hé, non! Mais pourquoi je ne l'ai pas écouté? Petit tonnerre! Petit tonnerre! Dur effet. Le courant l'a sûrement emporté. Petit tonnerre sait nager. En descendant, je finirai bien par le retrouver. Hein? Petit tonnerre! C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû l'obliger à passer par cette falaise. Il a simplement accepté d'aller avec toi. Ah! Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le crois. Hé! Hey, tu sais quelque chose? Tu l'as vu? On dit que toi, le lynx, tu sais tout, que tu vois tout. On dit beaucoup de choses. Non, je n'ai rien vu. Mais je peux t'aider à chercher Petit Tonnerre. Toi, un animal solitaire, tu veux bien m'aider? Ce n'est pas dans mes habitudes, en effet. Mais pour toi, je veux bien faire une exception. Pourquoi moi? Je ne l'ai pas tellement mérité. Souvent, je t'ai vu aider les animaux, Yakari. J'ai été témoin de tout ce que tu as fait pour eux. Hein? Souviens-toi. Cette nuit-là, un petit puma était tombé dans un piège de chasseur. Dis donc, ça va, toi? Hé! Hey! J'étais là aussi ce jour où le danger guettait un animal bien étrange. Encore un petit effort! On y est presque! Je t'ai vu prendre de gros risques pour sauver tes amis. N'ayez crainte, ils n'attaqueront pas, ils ont trop peur du feu. De très gros risques parfois. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Maman! Maman! Jamais tu n'as hésité ni redouté les conséquences. Alors c'est à ton tour d'être aidé. Je ne me rappelais pas avoir fait tout ça. Tu as aidé les autres naturellement sans même y penser. Essayons de retrouver ton ami Petit Tonnerre. Il faut descendre le cours de la rivière. Tu te trompes de direction, je t'assure. Il n'a pas pu être emporté si loin. J'ai bien regardé partout. Bien, allons voir. Mais je sais que nous faisons fausse route.
Là-bas, regarde, sur le sable, on dirait des traces de sabots. Où ça? Je ne vois rien. Hé! Hey, tu as raison. Ces petits tonnerres. Les traces sont en partie effacées. Ce n'est peut-être pas lui. C'est lui, j'avais raison. Il est parti par là, dépêchons-nous. Il est peut-être blessé. Hein? Petit tonnerre! Petit tonnerre! Il fait trop sombre. Je ne vois plus rien. Suis-moi. Tu vois quelque chose? Fais-moi confiance. Tu sais que les lynx se voient très bien la nuit, Yakari. La piste est encore fraîche. Il ne doit plus être très loin. Mais oui, il est là. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Oh, non, ce n'était pas lui. Il ne peut pas être passé au-delà de cette cascade. Nous sommes allés trop loin. Il faut retourner sur nos pas. Mais j'ai cherché partout. Je n'ai vu aucune trace de lui nulle part. C'est fini. Je ne le reverrai plus, plus jamais. Tu n'as peut-être pas bien regardé. Un détail a pu t'échapper, Yakari. Tu vois ce petit rocher, là-bas, près de l'arbre? Oui, c'est juste un rocher comme un autre. Il y en a des milliers. En es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. C'est juste un gros caillou. Hein? Oh! Mais c'est un coyote! Eh oui. Il y a ce que les yeux voient et ce que l'on croit voir. Ce n'est pas toujours la même chose. Retournons sur nos pas. Je te l'ai dit, j'ai déjà regardé ici, il n'y a rien. Il semble qu'il n'y ait rien. Mais en y regardant de plus près... Là, tu vois? Non, qu'est-ce que je devrais voir? Regarde et bouge la tête de droite à gauche, tout en fixant toujours le même point. Ça alors, il y a un passage, je ne l'avais pas vu. Voilà, le radeau est prêt. Oh, incroyable. Ouvre grand tes yeux, petit Sioux. Oh. Petit tonnerre! Oh, petit tonnerre! Yakari, enfin! J'étais sûr que tu me retrouverais. Petit tonnerre, tu es vivant! Si tu savais, je t'ai cru perdu. Oh. Je savais que je pouvais compter sur toi, mais... le temps m'a semblé très long. C'est grâce au lynx que je t'ai retrouvé. Le lynx? Quel lynx? Celui qui est avec moi. Hein? Où? Mais... avec toi? Il n'y a personne. Mais... il était là à l'instant. Il n'y a jamais eu de lynx par ici. Ce n'est pas leur territoire. Je t'assure que j'étais avec un lynx. Il m'a aidé. Nous t'avons cherché ensemble. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Hein? Je ne sais pas, petit tonnerre. Mais tu es là. Attends-moi. Petit tonnerre, vif comme l'éclair. Yakari. Hé, petit tonnerre.
Surtout, ne faites aucun bruit. Nous sommes sur le territoire d'un puma. Il ne faut pas nous faire repérer. Oh, Brouge, c'est seulement un mulot. Tiens-toi tranquille. Tu transmets ta peur aux autres chevaux. Maintenant, à cause de toi, le puma sait que nous sommes là. Nous sommes tous épuisés, longue nuit noire. Laisse-la. Ce n'est qu'une pouliche. Elle est craintive. Elle met tout le troupeau en danger. La faute d'un seul peut nous coûter très cher. Oh, Brouge, reviens. Laisse-la partir. Elle reviendra quand elle sera calmée. Et tu prétends être un chef? J'étais à l'eau. Oh, petit tonnerre, regarde. Oh. Mais, hey, ce sont ces pierres qui font les éclats de lumière. Regarde. Un joli cadeau pour Arc-en-Ciel et... Au Brouge! Un cheval sauvage! Et seul, c'est étonnant. N'aie pas peur de nous. Que se passe-t-il? Tu as l'air affolé, non? Je peux te faire confiance, petit homme. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Ma petite pouliche, Au Brouge. Elle s'est enfuie. Mais pourquoi? Elle a très peur de notre chef, Longue Nuit Noire. Pour quelle raison? Il lui a fait peur parce qu'il est dur et autoritaire. J'ai vu Au Brouge partir vers la rivière, mais j'ai perdu sa trace, malheureusement. On va t'aider à la retrouver. Il faut faire vite. Le puma rôde. Hein? Et elle est si jeune. Cherche par là-bas. Et nous irons de ce côté-ci. Des empreintes, sûrement celles d'Au Brouge. Là, hein? Yakari, on dirait... Celle d'un puma, oui. Il poursuit la pouliche. Dépêchons-nous. Il n'est plus très loin. Ya! Allez, petit tonnerre. Au Brouge, sauve-toi. Un puma te poursuit. Ya! Brouge, où est-elle? Elle a dû s'enfuir. Oh. Elle doit être en sécurité maintenant. Ce n'est pas sûr. Tu sais, les pumas abandonnent rarement leur proie. Le puma l'a retrouvée. Petit tonnerre, attention!
n'as rien? J'ai eu si peur. Sans vous. Oh, merci. Il ne faut pas rester là. Il reviendra d'un instant à l'autre. Si tu voyais l'Ombre Nuit Noire, il est si grand, si fort, il me fait tellement peur. Mais en tant que chef du troupeau, il doit te protéger. Il n'aurait pas dû te pousser à partir. Regardez. Reste calme. Si tu me fais confiance, on réussira à lui échapper. Hé, là-bas, petit tonnerre, le ravin. Viens, Aube Rouge, suis-nous. Et fais exactement comme moi. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu n'as pas le choix. Il faut le franchir. Garde ton sang-froid. Tranquille pour un moment. J'espère seulement qu'il ne trouvera pas de passage. Allons-y. Non, j'ai trop peur. Je ne veux pas retrouver les miens. Ta mère t'attend. Elle doit s'inquiéter. Tu ne connais pas Longue Nuit Noire. Non, mais nous t'accompagnons pour t'aider et tout expliquer s'il le faut. Longue Nuit Noire sera furieux contre moi. Je suis trop heureuse. Mais tous les chevaux sont craintifs. Oui, regarde, petit tonnerre. Il a toujours peur de l'orage et des serpents. Et du carcajou. C'est le rôle du troupeau et de son chef de protéger les plus faibles. Je vais parler à Longue Nuit Noire. Non, c'est moi qui le ferai. Il m'écoutera, moi. Je suis un poney. Tu as raison, petit tonnerre. Il ne doit pas faire confiance aux humains. C'est beaucoup trop dangereux. Il est très agressif. Laisse faire, petit tonnerre. S'il a décidé quelque chose, on peut compter sur lui. Rejoignons ton troupeau. Tu m'as bien fait confiance pour franchir le ravin. Je vous accompagne. M'approcher davantage. Je ne peux pas. Restez ici et laissez-moi m'occuper de ce Mustang. Fais bien attention à toi, petit tonnerre. Oui, ne t'inquiète pas. Il est très courageux. Ça va aller. Tonnerre va s'épuiser. J'ai confiance en lui. Mais oui, j'ai une idée. Voilà. J'ai réussi. Maintenant, veux-tu m'écouter? Je ne te connais pas. Je n'ai rien à te dire. Tu n'as jamais vu Longue Nuit Noire reculer? Moi non plus, jamais. On dirait qu'il a peur. Qu'as-tu de si important à me dire? Il s'agit de... Oh, un puma! Il attaque un de mes chevaux! Allons-y! C'est ma mère! Arrière!
J'ai été injuste, c'est vrai. J'étais inquiet pour ma horde. Je craignais de ne pas savoir défendre les miens contre le puma. Tu as très bien su le faire. Désormais, je saurai me montrer juste et protecteur. Petit tonnerre, tu m'as vraiment impressionné. Tu as été courageux. Hé ! Arrête, petit tonnerre ! Je me suis bien moqué de toi, Yakari. Tu ne t'imagines tout de même pas que ton meilleur ami a peur des papillons ? Le monde, vous êtes trop lent. Il faut renforcer ici et là. Allez, 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 mais plus vite que ça. Plus vite que ça. Bah, quelle organisation, ça sera jamais prêt à temps. Stop. Arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? Notre maison est complètement inondée. Tête de bois. Tête de bois. Oui. Tu as déplacé quelque chose près de cette tilleule? Bah oui, je crois bien. Elle est complètement inondée maintenant. Ah bon? Bah désolé. Et pourquoi est-ce que t'en fais toujours qu'à ta tête? Va falloir réparer ça maintenant. Comme si on n'avait pas assez de travail avec les crues de printemps. Mais reste pas planté là, bon à rien. Bah je sais pas, j'y vais. Salut, tête de bois. Salut. Où tu vas comme ça? Y'a rien de plus beau qu'un parade de castor, y'a rien de plus fort. Ceux qui disent le contraire ont tort. Bon, ben fais couper un arbre, je dois réparer le barrage. Tu es seule? Seule comme toujours, j'ai besoin de personne. Dis, tu ne vas quand même pas abattre un si bel arbre? Pour faire du bon travail, il faut du bon matériel. Dans ma tribu, on ne tue pas les arbres. On ramasse le bois déjà mort, tu vois? Oui. Et ben dans la mienne, on a toujours abattu des arbres pour construire nos barrages et nos maisons. Mais on ne prend que ce dont on a besoin. Et la forêt ne s'emporte pas plus mal. Quand même, je me demande si tu ne devrais pas en parler à mille gueules. Mais non, mais non! Je sais ce que je fais, allez! Ça fait des copeaux. Arrêtez! Mes œufs, ma couverture! De plus fort, de plus fort, camarade! Mais arrêtez! Y'a rien de plus fort! Arrête! Il y a un nid! On va retrouver le nid. Où est-il tombé? Il est tombé là, dans le torrent. Dans le torrent? Il est là.
de bruit. Tu crois qu'ils vont retrouver mes petits? Ne t'inquiète pas, Yakari s'en occupe. On y va vraiment pas en fauve. Chut! Tu as entendu? Non. Il y a quelque chose ici. Et l'eau qui s'écoule. Non, c'est autre chose. Comme un grondement. Écoute bien. Oh oui, t'as raison. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Cachez-vous! Qui a osé me réveiller au milieu de ma sieste? En pleine digestion! Qui a fait ça, hein? Oh, le carcajou! Celui-là, il a l'air méchant. Très méchant! Très, très méchant! Oh. Oreille de soie? Que fais-tu là? Le carcajou m'a chassé de ma caverne! Yakari, je ne peux pas rester trop longtemps à la lumière! Une chauve-souris vit dans l'obscurité! Aide-moi! Je te promets d'essayer, oreille de soie, mais je vais avoir besoin de vous tous! Et mes petits, j'ai si peur! On les retrouvera! On ne sait même pas où elle nie! Tu pourrais faire une torche pour nous éclairer! Tu es sérieux, tête de bois? Tu veux réveiller le carcajou? C'est vrai, ça, j'y avais pas pensé! Moi, je peux aller voir. Mais oui, c'est vrai. Tu peux voler dans le noir. Je ne pourrai pas apporter le nid, mais je peux au moins voir où il est, voir si les petits vont bien. Et puis, comme tu ne fais aucun bruit en volant, ça devrait aller. Mais sois prudente quand même. Ne t'inquiète pas, Yakari. De la caverne est ici et le carcajou est là, en plein milieu. Impossible d'accéder au nid sans passer sous son vilain museau. En plus, s'il voit les œufs, il risque de les gober. Oh non! Hé! Hey. Bon. Il y a un autre accès, c'est une cheminée au milieu de la caverne. À peu près au-dessus du nid, elle débouche à l'extérieur. Tu auras bientôt retrouvé tes œufs, je te le promets. Maintenant, laisse-toi descendre, tout en douceur. Tu es juste au-dessus du carcajou. Va vers le nid, par ici. Je le vois. Hé,
les profondeurs. Viens gommer le pauvre tête de poids. Mes petits. Lâche, Froussard! Viens si tu l'oses! Décidément, cette caverne est trop mal fréquentée et ce bruit d'eau me rend fou. Assez! Je vais me trouver un autre endroit pour faire ma sieste. Les castors. À toi aussi, tête de bois. Vous avez sauvé ma couvée. Oh, c'est rien. C'était bien normal. Et je te promets que plus jamais je n'abattrai un arbre sans être certain qu'il n'est pas habité. Et maintenant, nous te laissons tranquille avec tes petits. Tu en as bien besoin. Yagari, je vais y aller moi aussi. Je sais, les chauves-souris préfèrent l'obscurité. Salut, oreille de soie. À la rivière? Près du nouveau barrage et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Hey! Pardon, Yakari! Hey! Mais on est pressé! Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras, il aura fière allure. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul? Je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Oh! 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 Le barrage! Oh! 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 J'arrive.
crois que tu viens de faire une grosse bêtise, tilleul. Oh là 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 là, je vais me faire gronder. Et si on partait avant le retour des castors? Tilleul! Hein? Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Ah, mais moi, il est pas prêt. Qu'en répéteras-tu avant d'adir? Ne reste pas dans nos pattes. Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts. Tu ne fais que des bêtises. Hein? Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non, j'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand. Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre? Non. Je m'en vais, je passe la colline, je vais dans l'autre vallée. Mais pourquoi faire? M'amuser. Faire ce que je veux sans me faire gronder. Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou? Ça m'est égal. Je suis un grand, il ne fait pas peur. Et le froid? Et la faim? Tu n'en as pas peur non plus? Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller. Ça suffit, tilleul. Oh oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je vais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Maintenant, tu veux bien m'écouter? Non! Oh. Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Tu dis ça parce que tu as la frousse. Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non! Pour moi, c'est non! Arrêtons-nous! Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin.
Yakari, je suis heureux de te revoir. Luki se couche. Tu m'as fait peur. Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. Moi, je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. D'une bonne branche. Veillez. Va-t'en, gare. Bravo, Yakari. Oh là là. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? De retrouver les miens. Au revoir. Salut, Yakari. Salut, salut les...